Et bonjour à tous et bienvenue sur My Test for Fun. Et nous sommes avec plein de monde sur Mumble. Dites bonjour YouTube! Salut! Genre. Seulement dans tes cauchemars. Voilà, donc on a Mercy Dread, on a MG, on a. Je sais plus, Kalinou, ça fait erreur? Est-il Kalinou? Oui, En quoi? 12, en Ouais. pas. Oh non, parce que là, je sais pas. Voilà, j'ai pas la liste sous les yeux en fait, parce que je suis en plein écran, donc c'est un petit peu difficile pour moi de savoir exactement. Ataron, Kalinou, Cyberpangolin, Gaël de Sailly, Jap, MG, Darcy Grid, Ivan. Voilà, ça nous en fait du monde. Sans compter encore le docteur Tientigan Trell qui se promène en dessous. Enfin voilà. Mon frère. Ok, est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est Il y a là? encore le docteur et Etienne, non. Tientigan Trell qui sont en bas. Filiale Alors, du je dois gardien. dire quoi? On vous attend. Hein. Je vous laisse 30 secondes pour monter. Alors, Venez où? effectivement, je suis mort. Donc, je pense que c'est littéralement mort. Je vais me déconnecter. M'entendez toujours là? Là, on t'entend parfaitement. Oui. Bâtiment bleu, il est où ce bâtiment bleu? Bah, Contre lui qui qui? remplace le paysage depuis ma maison. Ouais, c'est bon, ils sont rentrés. Les Et tu me dis coordonnées, où, c'est tiens? 270, ça fait, pardon. Tu le verras. 170 chez nous. Alors, est-ce que vous avez bien lu tous les panneaux? Ils disent à peu près tous inauguration, enfin ouverture à l'inauguration, je crois. Ah, j'en ai qui disent que c'est inutile. Utile de lire toutes les pancartes, Ouais, voyons. d'abord. Et puis. Aussi. En fait, il y en a qui vous donnent des indices sur ce qu'il va voir à Il y en a l'intérieur. même sur. T'arrives même à lire ces panneaux sur l'extérieur. J'arrive Alors, pas. le panneau le plus important, c'est celui qui doit vous dire, enfin, quel équipement vous devez avoir en fait. Il y a deux objets que vous devez porter et qui vont être indispensables pour ce qui va Alors, ce arriver. qui est intéressant, À l'heure bleu actuelle, versus c'est mort. vert. What? Allez, c'est parti, je Bleu commence. foncé et. Bleu foncé et. Ça veut dire quoi ça? Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire combien il y a de joueurs Beaucoup. sur le toit? Ah, c'est bon. Comme par hasard. 1, 2, 3, 4, Il y en a combien exactement? 10, je crois, en comptant. D'accord, ça marche. Donc je m'enlève, ça fait 9. Ah, remarque, j'ai 1, peut-être pas 2, compté 3, Jap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est 11 connectés en Bon, tout. j'ai 25 FPS. Plus toi. Jamais Donc vu. ça fait. Ah, vous aimez bien les briques grises, hein. Bon. Micro. Pas un FPS. Obligé de le mettre sur mon nez là. Il y a juste La des morts. Voilà, en fait, je viens de réaliser que j'ai oublié mon armure. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais la mettre. On va recommencer. Ton armure d'admin violet. Celle que j'ai Exactement. émergée, ouais. Le magnifique truc rose bonbon. C'est rose camouflage. Ça permet de rester bien Alors, caché. deux petites secondes. Oh! Il n'y a pas plus camouflage que Camouflage, rose, ouais. hein. C'est bien connu. Bah oui. Rose pétante, surtout. Ouais. Avec un skin de TNT, Ah, voilà. il a le skin invisible. Avec le point de R en plus, C'est pas complètement bête le skin invisible, surtout pour le labyrinthe for fun, hein. Je vous ferai remarquer. Non, mais je vais lui demander de changer quand même, parce que je crois qu'on n'a pas le droit normalement. Ouais, les skins invisibles, évitez, hein. Évitez. Alors, c'est bon, c'est tout prêt. On va commencer dans 3, 2. Est-ce que je vire ça d'abord? Explosion. Ah, il y a tout le monde. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Non, non, loin de là, mais bon. Ouais. Commencez sans moi. Ah. Non de bleu. On peut miner? Ah non, on peut pas. On C'est peut parti! servir, c'est ça? On peut miner. Hein. Mais moi j'ai pas pris Oh de non, pioche. me dites Ah pas que merci c'est du MG. Oh merci stuff. MG. Oh MG. Oh nom de Dieu. Mais dites pas que Moi je c'est peux du pas. Hein. stuff. J'ai du mithril. Ah, c'est Noël. C'est Noël. Ouais, j'arrive après la bataille. Alors, ce qui peut être miné, c'est uniquement ce qu'il y a à l'intérieur du cube. Hein. Les blocs externes sont unbreakable. Il y a un mob dedans. Ouais, si j'appuie, je baisse le cas là. Alors, uniquement ceux qui font partie de la zone peuvent casser les blocs, cependant, les monstres peuvent être tués par tout le monde. Les monstres? Mais quel Ouais. monstre? Il y a plein de mobs qui essaient de tuer.
Ah, ouais, des items, des items frame, tu peux pas, enfin les items stand, tu peux pas les prendre, les items. Vous auriez dû dire qu'il y avait des trucs à casser avec une pioche, mais j'ai pas pris pioche. Ouais, moi je dis merci à MG pour sa pioche. GG MG. Carlos. Je te filerai un mitri pour te récompenser. Actuellement, au compteur, 3 chums chargés. C'est alors, magnifique. Les items frame, vous pouvez pas les prendre. Ouais. C'est pas étonnant, c'est la couille là. Donc je vais les enlever, bougez pas. Je vais les enlever un à un. Voilà. Tac, tac, tac. Dernier. Moi je vois plus rien là. T'as, par contre là je peux même plus cliquer. Ah, c'est bon. Et hop. Alors je vous laisse les pas. Le truc c'est qu'on peut pas les ramasser. Ah putain, oui, c'est vrai. Quand ils sont dessus, on peut pas sauter. L'autre lamp là, on peut même pas le prendre. Ah, j'ai eu le casque. Ah, deux petites secondes. Et trois chums. Okay, okay. Ouais. Voilà. Attends voir, le casque. Ouais, bon, okay. Le casque en gold est plus puissant que le casque en mithril. Ah non, pas possible. Alors, je te. Mon armor, je suis à 22,8 à peu près. Avec le casque en or. Et je suis à 21,7 avec le mithril. Oui, oui, promis. Alors là, il y a un bug. Bah désolé, hein. On découvre des choses comme ça. Sans avoir de pioche, j'ai réussi à avoir deux de mithril, le bouclier en mithril et la hache en mithril. Hein. Eh bah, très bien. Bon, je pense que j'aurai là d'ici à peu près 15 minutes. Hein. Le temps de chargement, ce sera ça. J'ai mort. Mais c'est quand qu'ils font un upgrade sur ta connexion internet? Je pense que ça devait arriver autour de février. Comment mars. Dire à l'heure actuelle, on devrait recevoir la box. La ligne est installée là où on vient de déménager, mais on n'a pas la box. On devrait recevoir la box lundi. Ah ouais, moi je vais dire. Il faut encore la configurer. Ouais. MFF, le bouclier en mithril est moins fort que celui en diamant. Ah. Pardon. C'est exactement ce que j'ai remarqué juste avant avec le casque. Le bouclier en mithril est moins fort que celui en diamant. MG, je te vois arriver. Je passe de 27 à 24. Je te vois arriver par terre mort. Ouais. Peut-être qu'on aurait des choses, faudra que je regarde les... En théorie, la verra, c'est la attends, je te rends tes affaires quand même. Oui, mais comment dire, là je ne te vois pas, et tout ce que je vois actuellement, c'est une... C'est un quart du bâtiment de mithril. D'accord. Une sorte de découpage mal fait, c'est magnifique, j'avais jamais eu ça. Par contre, je vois vos noms, ça y est. Je vois que c'est une grosse cohue, je vois qu'il y a des, il y a des monstres un peu partout. Ah oui. Et je vois un docteur, ouais. Oh. Aidez-moi docteur, je suis mort. Bah, le docteur, il s'occupe pas de ce genre de choses, paraît-il. Il y a un stuff sur la fontaine. Sur la fontaine? Ouais. À côté des champs. Ah. Oui, c'est des pancartes. Ah ouais. Ouais. Alors, il y en a d'autres, des sabettes. Voilà, juste que je termine les pancartes. Étant donné que je suis actuellement en mode où j'ai pas la moitié des notes, je peux vous dire qu'il ne reste qu'un seul monstre. D'accord. Dans le jardin. Monster, là. Dans le jardin. Le monstre à l'intérieur, je le vois de mes yeux. J'ai cru que t'étais un monstre, MG. De quoi, mon skin ou le vrai moi? Bah, vu comment t'étais, j'ai cru que t'étais une araignée en fait. Punaise! Là, Cyberpangolin, je te vois. Tu es comme Don Quichotte qui est en train de se battre contre les moulins, sauf que là, il n'y a pas de monstre devant toi. Non, non, mais je ne vois pas de monstre. En effet, j'ai même pas tapé dessus, j'ai regardé. J'ai regardé. Je sais pas comment il faut dire ça. J'aurais envie de dire B91B, faire le boulot à ma place. B91B. Ouais, mais. B91B. Je sais pas comment ça se dit. Ou alors si tu, ou alors si tu le mets en, tu le mets en comment, en lead, ça ferait, en lead speak, ça ferait du, ça ferait babe. Donc bon, je pense que je dois être là. Alors évitez de tomber dans le puits, il y a le truc solaire Mésécone s'il vous plaît. Hein, ça m'éviterait de faire des TP. Ce serait bien, ouais. Et donc, parti, on va commencer. Alors, est-ce que vous me voyez bouger? Oui, on veut bouger. Alors, les concepteurs, vous allez pouvoir aller à l'intérieur du labyrinthe et vous préparer. Je vois que Palige est déjà dedans. Non, Palige est dedans.
On entre par où? Alors, les concepteurs, ils le savent très bien. Hein. Vous n'êtes pas censé entrer pour l'instant. On va juste attendre qu'ils soient dedans. Donc, Ataron. Mais je peux pas bouger en fait, là, je vois mon écran tout blanc qui a craché, quoi. Et en fait, ça me téléporte. Alors, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Ne me TP plus. Ah, je te TP plus, c'est bon. N'inquiète pas, t'as une tégum. Du coup, il entend ce qu'on dit aussi, si jamais? Non, il est à moins 4 mètres. Ah, d'accord. Je sais pas si t'as des haut-parleurs forts ou quoi, ou... Quoi, tu as peur qu'on entende ta voix? Ouais, j'ai très très peur en fait. Alors, je sais pas comment je vais c'est faire. C'est la pire de tes voix, tu le sais quand même. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Venant de toi, c'est un compliment, donc y a pas de souci. C'est pas faux. Alors. Ok, attendez deux secondes. En fait, Jap, pour ta petite question, une personne va rentrer toutes les 30 secondes minutes. Grosso modo, enfin, il y aura un petit décalage entre chaque joueur. Ce qui a pour but en fait de les débousseler. Pour pas qu'ils rentrent 10 à la fois et vous tue d'un coup méchamment. Et donc, chaque joueur va rentrer avec un petit décalage. Et vous, bah, vous pourrez les taper dès qu'ils seront rentrés, tout simplement. Ok, on est bon. Kali, nous aussi. Yes, on peut descendre. Ah, et Tintigan qui suit, parfait. Okay. Alors, ce que j'aimerais, c'est que les joueurs se mettent à la queue leu-leu. Ça fera l'ordre d'arrivée des coureurs. Alors, par exemple, Yvan va être premier. Mets-toi un peu plus à l'avance. Voilà, merci Yvan. En deuxième, ça va être B91B. Avance un petit peu, s'il te plaît. B91B, avance un peu, s'il te plaît. Il est pas en mumble. Hein. Yvan ? Non, B91B. C'est bon, c'est bon, je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Qui viennent un peu ici. Mmh, voilà. Le nombre de joueurs qu'il y a. Joueurs qu'il y a. Allez, s'il te plaît, B91B. On va y arriver. Est-ce que je suis voilà, franchement le seul... Franchement, non, visiblement, voilà, je ne suis pas le seul qui parle ensuite, à des joueurs pour leur dire de faire quelque chose, alors qu'il sait pertinemment qu'il ne les entend pas. Ok, alors Gaël est parfait, placé, Cyber en dernier. Ouais. Ouais. MJ, il est en train d'arriver, il sera derrière. Okay, non, parfait. Moi je joue pas. Hein. Je peux pas jouer avec une pas. Collection. Je rentre par où, juste. D'ailleurs, je ne sais même okay, pas comment vous êtes entré. Parce que là, il y a une porte déjà. D'accord. T'es bien placé, mon frère? Il est bien placé, oui, Tente, c'est bien, là c'est bien, on est parfait. Moi, je reste avec Cyber Pangolin, je suis un observateur. Alors, moi, je ne suis pas un observateur. S'il vous plaît, arrêtez de parler, on va commencer. Jap, est-ce qu'il est bien dedans? Je lag, oui, bon, voilà, il y a du mésé, il y a beaucoup de joueurs, c'est normal. Je viens de comprendre par où vous êtes passé. TNT Gun, est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il vient pas? Il est pas là. D'accord, TNT Gun, derrière Cyber, s'il te plaît. Je sais pas s'il nous entend. Ok, c'est parfait. Alors, on va faire rentrer le premier joueur. Qui va être Yvan. Est-ce qu'il est prêt, Yvan? Du sang. Ok, c'est parti. Zut, j'avais le micro d'ouvert. Je te laisse partir, Yvan. Ok, bon, on va. Bon, ça y est, je suis dedans. On va attendre un petit peu. On est déjà mort, trop bien. Alors. Je me charge de distribuer les points de fail. Alors, je vais plutôt les faire rentrer deux par deux. Hein. Je suis désolé, Yvan, je t'ai fait rentrer tout seul. Apparemment, il y avait déjà un piège dès l'entrée. Je vais vous faire rentrer deux par deux. C'est un peu facile. Donc B91B plus Angel. Angel, qu'est-ce qu'il fait là? Elle fait là. Qu'est-ce qu'il y a, Jap? Moi, je suis rentré dedans. Alors, Angel, elle me fatigue un petit peu. Faudrait peut-être qu'elle recule. Elle est pas du tout comme il faut. Bon. Qui est le malade qui a eu une idée de construire un labyrinthe dans un endroit aussi petit? Jap, fais comme si j'étais à côté de toi parce que je pense que je lag tellement que vous ne voyez pas. Je crois que nous venons de battre le record du nombre de joueurs au node carré. Alors, là par contre je peux plus passer, le chunk est pas chargé. Alors en fait c'est un peu fatigant de vous laisser passer un par un, vous suivez pas l'ordre, vous êtes pas à la queue leu-leu. Je vais devoir vous séparer. Attendez, bougez pas. S'il te plaît, on fait quoi? Alors, je vais vous séparer tout bêtement. Voilà. Ah ouais, quand même. Eh oh. Bah ouais, on va être obligé là, hein, parce que vous respectez pas l'ordre. Qu'est-ce qui se passe ça?
passe un truc là, je vois tout. Normal, il vient de t'ensevelir. Il faudrait que tu avances un petit peu, s'il te plaît. Avance un peu, tu vas voir, c'est pas grave. Saute et avance. Où est-ce qu'il est, ce pangolin, encore? Ah, mais c'est qu'il participe. Mais bien sûr, c'est ce que je t'ai dit juste avant. Ok. On a parlé dans quel bloc, là? Est-ce que tout le monde est dans un petit local? Quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce que TNT Gun fait pour toujours se faire à moitié ensevelir? Est-ce qu'il utilise un pied en trafic? Non, mais il fait des usbobs, lui, à chercher pas à comprendre. Libérer TNT Gun, et enfin, en dernier, il y aura le 91B. Ok, donc c'est parti, je vais faire partir le premier bloc. Allez, go. Premier bloc parti. Et là, j'ouvre les blocs petit à petit et je les recréerai pas. Hein. Vous pourrez rentrer comme vous voulez. Ok, ok. Allez, c'est parti. Ouais, hop, vous pouvez rentrer. Super. Yes. Et enfin, le dernier bloc. Allez, vous pouvez rentrer. C'est parti. Bon, faudrait à vraiment que quelqu'un explique à Angèle qu'il faut qu'elle prenne un vrai skin. Ouais, Angèle en fait avait de l'armure, donc quoi qu'il en soit, c'est on vous pas le faux. Redit. Donc on va pas s'embêter, c'est pas grave. Ah, cool. Allez, c'est parti. Chasseur contre coureur. Deux joueurs peuvent se taper entre eux. Par contre, on rentre par où? Alors, les coureurs sont censés être dans la même équipe. Hein. Cependant, si vous voulez vous taper entre vous, allez-y. Hein. Ouais, parce que je sais pas, j'ai vu tout rouge pendant moins 10 secondes. J'ai perdu une énergie. Oh non, mais attends. On voit rien de l'extérieur, c'est nul. Ok. Si, il faut que tu viennes dans les spectateurs, MJ. Attends, je vais te TP. Dites-moi MJ, où c'est. Je vois rien, même si je suis là. Les spectateurs, j'y vais. Spectateur, tu rentres par la porte de derrière. Comme encore faudrait-il que j'arrive à ouvrir les portes. Mais t'es obligé de passer par Jap. Je t'ai téléporté, MJ. C'est gentil. Tu vas arriver. Ah non! Il y a pas l'iche qui vous tape là. là je me retrouve dans un trou à moins 14. Ok, normal. J'ai pas tué quelqu'un. TNT Gun, c'est pas grave. Moi je fais un trou, je peux pas sortir. Est-ce que tu es mort, Cyber? Non, je suis vivant. D'accord, c'est pas normal. Attends, je vais te tuer. J'ai pris pas mal de dégâts, mais je suis dans un trou à moins 14 et à un endroit qui est pas protégé. Normal? Et puis j'arrive pas à remonter, j'ai reconstruit des blocs, mais. En fait, il faut pas reconstruire des blocs, il faut que tu meurs, Cyber. Ah ouais, trop cool, merci. Non, méchant. Non, je vais garder mon stuff. Non. Et non, c'est comme ça. C'est la durée de la vie. Ouais, tombé dans le piège. Tu fais tout ce que tu veux. Ah, gars, le salut. En fait, vous avez pas protégé la zone, du coup, ils ont... Ouais. Bah oui, on s'est bloqué. Alors, on fait quoi? Et le jour où la faucheuse arrive. J'aurais dû le mettre plus grand. D'ailleurs, je suis mort exactement. Enfin, je suis réapparu exactement là où je suis mort en fait. Hein, donc. What? Non, mais on est dans un trou là, si bien vraiment, je sais pas ce qui se passe. Bah, en fait, vous mouillez. Laisse-moi parler. J'aurais dû mettre des piques. Voilà, tout simplement. Mais c'était mon premier piège. Il y a un petit oubli, je viens de mettre de la lave pour que vous mouriez. Oh merci! Oh, quel magnifique! Voilà. Comme ça, en plus, le stuff il casse. Hey Gaël, je vais me rejoindre là vite. Je vais vite me rejoindre, Gaël. Ah mais c'est bon. Ouais, qu'est-ce que vous... J'ai bloqué le truc. Ah. Vite, je me protège. Ouh, je suis vivant. Oh punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve dans le monde secondaire là. Si, c'est ce qu'on appelle un jeu classique. J'ai toujours envie de tuer Palige là. Je me trouve dans la maison secondaire qui est à 7293. Non, c'est quoi cette lave? Je suis à 1200 blocs de boule. Je crois que tu as été téléporté. Comment t'as fait, Gaël? Gaël, tu m'obliges à te tuer. Bah, je sais pas, j'ai dû me mettre dans le lit. Je suis retombé dans mon lit qui est dans ma maison secondaire qui est très loin. D'où les 1000 blocs? Qui a presque 1000 blocs à l'ouest. Je prends des coups, mais je vois pas de quoi. Aïe!